An bi aw bɛɛ lajɛlen fɔra fɛn o fɛn min k'an lajɛ ni waati la, an bɛ fɛ ka message dama damani passer aw ye. Minnu bɛ k'an suit YouTube sanfɛ, on les salue, an b'u fo. Minnu fana bɛ k'an lajɛ Facebook sanfɛ, an ka foli bi aw fana ye. Ani RFM, hein, on vous l'a dit l'autre jour, an y'a fɔ aw ɲɛna ko désormais, an ka émission bi diffuser RFM sanfɛ, la 88.5 Radio Solido, Radio Future Media. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lamɛn ni waati la, an b'u bɛɛ lajɛlen fɔra. Kibaruya dama damani bɛ yen, an bɛ fɛ ka o da aw tulo kan, a balimakɛ Ibu Sidu. O don ko an ka ministre duuru, 5 ministres, an ka ministre duuru de taara Rusiw fɛ yen, o taara Rusiw fɛ yen, parce que Rusiw ka semaine min bɛ actuellement, o b'a fɔ ma ko la semaine de l'énergie, donc énergie semaine. Donc o hokumu kɔnɔna na, an ka ministre duuru taara yen nɔ. Ani ni CNT ta, CNT commission minnu bɛ yen, mɔgɔ fila taara, président fila taara, deux présidents de commission, u taara yen nɔ, parce que c'est tellement important que contrat dɔw bɛ sɔn ka signé. O contrat ninnu peut-être, o bɛna kɛ sababu ye ka kuranko gɛlɛya ni énergie wɛrɛw gɛlɛya bɔ an kan. Donc an bɛ se ka a lamɛn, an b'a lamɛn et puis an bɛ tila ka na commenter ka kan. Depuis ce matin, la 6e édition de la Semaine russe de l'énergie. Les travaux ont été lancés par le président russe Vladimir Poutine, qui avait à ses côtés le premier ministre irakien. Une délégation malienne de haut niveau, conduite par le ministre de l'économie et des finances, prend part à l'événement. Objectif bien sûr de la présence malienne, s'enquérir de l'expérience de la partie russe, mais aussi nouer des partenariats en vue de booster notre secteur énergétique. Envoyé spécial à Moscou, Brahima Koulibaly et Yaya Konaté. C'est un espace d'échange de haut niveau sur les questions énergétiques à l'échelle mondiale. Politiques, experts, entreprises et hommes d'affaires se retrouvent pour la 6e fois dans un pays dont les réserves énergétiques en font incontestablement une puissance au niveau mondial. La Semaine russe de l'énergie se tient cette année dans un contexte de crise en Ukraine et de sanctions contre la Fédération de Russie. Des démarches occidentales qui ont semé le chaos sur le marché international de l'énergie, y compris sur le marché pétrolier, affectant l'ensemble de l'économie mondiale aux yeux du président russe Vladimir Poutine. Des sanctions sans réelle incidence sur son pays qui a développé des marchés alternatifs. Occasion pour le chef de l'État russe d'évoquer le potentiel énergétique de la Russie en cours de restructuration avec comme priorité majeure le marché national. Parmi les pays africains présents à ce rendez-vous de Moscou, le Mali venu s'inspirer de l'expérience de ce partenaire stratégique en vue de booster son secteur énergétique. Cet événement est extrêmement important. Il nous permet non seulement de nous enquérir de l'expérience russe, de comprendre aujourd'hui les enjeux de l'énergie dans le monde, surtout avec les dernières crises que nous connaissons aujourd'hui, notamment la crise en Israël qui est venue s'ajouter à la crise russo-ukrainienne. Toutes choses qui font que le prix de l'énergie risque d'être très élevé et de nous rendre compte également de l'importance du domaine énergétique dans tout le développement. Un des thèmes abordés lors de cette plénière d'ouverture, c'était comment organiser la production et la distribution de l'énergie dans le monde au plan international pour pouvoir permettre d'avoir un développement durable et un développement stable dans tous les pays du monde. La Russie, affirme le président Poutine, continuera à contribuer de façon significative à l'équilibre du marché mondial de l'énergie et développera des partenariats avec les pays qui le souhaitent. C'est justement dans une logique de recherche de partenaires que notre pays prend part à cette 6e semaine de l'énergie russe. Je voudrais remercier les plus hautes autorités du pays, notamment le président, le colonel Assimi Goïta, qui nous a mandaté, qui a envoyé une forte délégation composé de 5 ministres, de 2 présidents de commission du CNT, plus nos collaborateurs pour qu'on puisse venir participer à ce forum de l'énergie de la Russie et également pour pouvoir avoir des échanges avec les partenaires russes. Et nous comptons les jours à venir saisir cette occasion pour rencontrer les partenaires afin de signer des accords qui vont nous permettre d'avoir de l'énergie hydroélectrique, qui est de l'énergie propre, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, également l'énergie atomique, pour pouvoir mettre également l'intelligence artificielle aux besoins donc du développement économique du Mali. Au menu de la Semaine russe de l'énergie, plusieurs dizaines d'événements, parmi lesquels des sessions plénières, des tables rondes de discussion.
D'accord. Donc, on est intéressé à, vraiment, il faut le dire. Il y a un ministre de la Russie, le ministre des Finances, M. Sanou Aboraka Fossa, Finances et Économie Aboraka Fossa, en tout cas, qui a été en train de se faire. Dans le domaine du nucléaire civil. Nucléaire civil, il faut atomique. Donc, ça veut dire quoi? Est-ce que au Corée que Russie a une centrale nucléaire de l'Ejo, mais centrale nucléaire, mais pour le nucléaire civil. Bon, parce que ni bien économique, ni en Nyoncho là, faut qu'à centrale d'Ejo. Faut qu'à centrale d'Ejo. Et comme ça, au Corée centrale nucléaire civile, au Corée centrale, il y a un ballon uranium. Bon, uranium qu'on a mis à on doit sur le Niger et Fana, qui a fait des gens. Encore une fois, on a énergie hydroélectrique. Énergie hydroélectrique, au Iji et Barajou. Di bateau a mis courant sur l'eau. Et on a énergie éolienne, au Ifien. Ifien, il est ici, Bado, Mounoudron, et puis on a mis courant sur l'eau. Donc, en tout cas, on va voir. On a la dit. Peut-être ni ministre de l'économie et des finances n'en a détaillé au reste. Mais déjà, c'est bien. C'est bien. Ministre des transports, Fanakoumbi, bon, c'est pas très bien. Allez, Fanatara, sûrement. Transport, Fanakan, c'est sûr que Fanakoumbi sont assignés. Voilà. Donc, Ambi, Temé, Ouronika. C'est déjà bien. Ambi, ministre de l'économie, nous, on a notre nom, ni on sera détaillé, nous sera là. C'est déjà bien. Au terminé, Fanako, le ministre saoudien. Ministre saoudien, mais au Fanakoko projet la Fanabe ou fera Mali Fana demain projet d'oi il n'a faut qu'il serani on fera Mali demain oui ami ou la main et puis on revient. Visite de quelques heures au Mali, le ministre saoudien du tourisme a été reçu à Koulouba par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Ahmed Al-Kateb est porteur des messages du roi saoudien Salman Ben Abdelaziz au président Goïta. L'Arabie saoudite sollicite le Mali pour le soutien dans l'organisation de son foire à exposition et de la Coupe du Monde en 2034. Aussi, le roi Salman invite le président Goïta à prendre part au sommet Afrique-Arabie saoudite. Les échanges ont également porté sur deux projets phares relatifs à la construction de ponts et de routes. Le ministre saoudien du tourisme à sa sortie d'audience au micro de Sira Batili. الملك سلمان بن عبد العزيز لنقل تحية envoyé par le roi Salman bin عبد العزيز et le prince héritier Mohammed bin Salman pour venir saluer son excellence monsieur le président de la transition Assimi Goïta et tous les peuples maliens et discuter sur les processus et les différents domaines qui peuvent être bien pour les deux pays. Et ceci, dans tous les domaines, peuvent renforcer les liens entre les deux pays. Et on a demandé l'appui de la République du Mali pour l'organisation de Expo 2030. Aussi, un autre appui pour l'organisation de la Coupe du Monde en 2034. Dans le domaine humanitaire, dans le domaine de développement, avec la Caisse saoudienne de développement, je voudrais juste avoir l'appui de la République du Mali pour renforcer ces liens. On souhaiterait voir Son Excellence, Monsieur le Président, pour le sommet Afrique-Saoudia-Afrique
Et encore, je remercie Son Excellence pour tout l'accueil chaleureux qu'il nous a donné. Plusieurs secteurs de coopération qui ont été cités. On peut savoir concrètement sur quoi le Mali et l'Arabie Saoudite vont travailler dans le cadre de l'amélioration de leur coopération. Sachez qu'on a discuté des grands projets. Parmi ces projets, la route de Kidal et aussi la signature d'une convention pour la construction de ponts. Voilà, donc, il y aura un ministre saoudien du tourisme. Le ministre saoudien du tourisme, Anana Malikono, et Anana Demagnini Malife. Parce que quand il y a une foire bar organisée, au foire niveau Marobi Malika soutient, ou quand il y a une Coupe du Monde organisée, 2034, Marobi Malika soutient au Fanana. Et au Koko, Nyoye Bado Fanabe présent, Afrique présent, ni Arabie Saoudite Fanakan, Nyoye Sommet Afrique-Arabie Saoudite. Koubi fait présent Fanakateno. Comme vous le savez, Sommet Koumbe, France, ni Afrique Tchè. Après, Sommet Nanake, Afrique ni États-Unis Tchè. Sommet Nanake, Chine ni Afrique Tchè. Sommet Nanaké, Russie ni Afrique Fanaké. Maintenant, Sommet Nanaké, Arabie Saoudite ni Afrique Tché. Pratiquement, je me rends nouvelle à Genève que Sommet Kené Afrique. Au cours au bail, il y a un peu intéressé en Afrique. Le ministre Nyingala, d'accord, bon, à Omorobi, Malika soutient là, c'est vrai. Mais, Ali Mali Fanakoumana Mouna, à Oboko, principalement, Ouli Mali Koumana fait un flara, même si Rata Malika intérêt là, Oye Ka Kidal Saragla, Aye. Voilà, il faut falloir que vous conditionnez vos champs forts. Et puis, Capon Fanagla. Bon, voilà. Le ministre saoudien du tourisme, il est fort. Et puis, que vraiment, ils insistent, ils aimeraient que le président Fanagla soit sommet Arabie Saoudite-Afrique. Autre thème encore. Que nous avons un bel adjeni. Enfin, un pays, le ministère des Transports Maroc a communiqué. Le ministère des Transports Maroc a communiqué là. Ou Koumana et Air France situation. Parce que nous, on a un forum, mais on a communiqué. Oui, communiqué, Mimbla, on a communiqué, Kala, oui, télé là. Parce que c'est quand même important à communiquer à Kala. Ah oui, c'est un communiqué important. Ministère des Transports et des infrastructures. Le ministre des Transports et des Infrastructures informe l'opinion publique nationale et internationale que l'autorité aéronautique nationale du Mali examine présentement la demande de reprise des vols formulés par la compagnie aérienne Air France. Co ministre des Transports Bada Mouroukloka, co Barakarombe, nous va faire ma autorité aéronautique nationale du Mali. Co au Barakoro, co Air France Mouroukloka. Ou ka l'agnini djati mene folo quoi. Parce que lui, l'agnini menge Air France, comme vous le savez, ou bi fer assez kana Mali kono. Mais Mali m'a son folo. Donc, kou ni mbarakoron mika ako djati mene folo. Ka examine folo, ou ka nyingali sege folo sani ou ka son. Par conséquent, les vols Air France demeurent suspendus pendant cette procédure d'examen de dossier. Kou am ka ou ka dossier examine, ou ka dossier sege tout mouna ka djati mene folo. Kou Air France tiserana. Voilà, Air France Tisserana Foro. Le ministre rappelle que les vols ont été unilatéralement suspendus par la compagnie sans informer au préalable de manière convenable les autorités et les clients. Bon, le ministre Bada Moro Kloukanko, c'est bien qu'à Moro Aglidjigi, qu'Air France vole nous, qu'à Volou Djoradi, parce que Air France il y a Djo. Moma Djoré, ou il y a Djo, ou il y a Moma Fouka Djo. Bon, ou ma Moshi averti, ou ma client averti, ou ma autorité averti. Le ministre des Transports et des Infrastructures réitère son engagement à défendre la souveraineté du Mali. Bon, d'accord. Le ministre de Koubi, Mali, qui a intérêt à défendre, il a fait président Koumi, il a fait Tchoumna. Le président Asmi Goïta a fait Tchoumna, Mali, qui a intérêt à défendre. Mali, on a intérêt à défendre. Voilà. Donc, ça veut dire que Air France, Maroc, a dit que c'est un Albi. Voilà. En tout cas, on est mis pour Air France qu'on a. C'est important qu'on ait une position pour la forme Roy. En gros, les Mingadi, c'est l'esprit AUS. Esprit AUS, AUS Aklina, Alliance des États du Sahel, Namanya Kabanko, Mali, Burkina,
Niger a un bol de Nyoroma. Namanyeko, un sabab bekara jamanakele, pratiquement, un mignon demain. Namanyeko, un gars jamanak sabol de Nyangindo, cosbe cosbe si de offe. Namanyeko, français, un gars jamanak sabal de gauche nyon fait, tu m'abbe, ou un gars jamanak sabal de gauche nyon fait. Ah, ou un gars jamanak sabal de gauche nyon fait, tu m'abbe. Nukoko, ou visa te gobat te gambella. Nukoko, ou kavion ganana, ambara, ou kavion bit te gambella. C'est-à-dire toujours quoi, ou bien un bé frappé n'y fait. Donc, en fin de compte, quel est le fin de compte? Donc, en bambou, il n'y aura pas. On a une décision, nous, tant qu'elle est. Toujours un bé frappé n'y aura pas. Décision, ta. Ou quoi, Air France, t'es là. Minoumbala, en bé la, je ne vais pas faire. Donc, il faut bon acheter Air France fait. Ou quoi, Jeune Afrique. Par exemple, quand on est là, Jeune Afrique, comme à l'angolo, il faut Burnabouma. Burnabéa suspend. Et Burkina suspend, Mali et Niger font la congang à suspend. Y a eu au coco un artiste ou tita au bara pour visa te roula au cas centre culturel français Minombe en boubé d'atou. N'y ont fait, c'est comme ça qu'il faut faire œil pour œil, dent pour dent. Ou y a qu'un enfant à Bakoula, c'est comme ça. Il faut avoir l'esprit à US comme ça. Ou il négocie n'a pas de savoir et n'y ont fait ni de mana savoir son ami ma ami son ama son drôle en bout voilà en bout tout qu'elle a fait parce que ma peau va en frapper donc en on va pocher ou les. On a position au lieu de. Au terme d'un coup, en la semaine nationale de. Bon, Burkina Faso, Fana, qui est donc au parce que l'énergie qu'on a fait, enfin là, où Fana a gagné, Rissou, qui a centrale nucléaire qui est ou fait. Centrale nucléaire. On a mémorum d'or signé. Il a fait Mali, Fana a signé toujours là. Aucun, Kosebe. En tout cas, nous, au bar, on connaît Kosebe. Au terme d'un coup, on a mis Fana, Pape Diallo. Pape Diallo mimi yere wolo la abi sadi la sadi parti politique sadi abi non ma abi yere wolo fana ale démissionné il a démissionné ay barabla akoko ati baraka tuni ni ati ka démissionné ka te yere wolo la tuni e ka ti sadi fana tuni peut-être dona na tawla na sa daga yere sura peut-être amna yere ninga pourquoi aburani ton non konna ay ke barado fana soro oui ministère de la sécurité. Ministère de la Sécurité communiqué donc, dirait pas y'a qu'à cacher parce que voilà, ministère de la Sécurité ne dirait pas pratiquement au Beladjene ou Bekarakele. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile informe l'opinion nationale qu'un recrutement est ouvert aux jeunes Maliens pour le compte de la police nationale et de la protection civile au titre de l'année 2023. Au ministre de la Sécurité, Madame Rokloka, au concours de recrutement, au Talibé, où il fera jeune Tiamanta. Vous ferez jeune Tamanta pour lui là en des protections civiles. Vous ferez Talik 2023, vous ferez Talik policier en des sapeurs pompiers protection civile. Voilà. Maintenant, vous ferez policier minuta les gardiens de la paix 600. Marac mais voilà 600 personnes. C'est ça. Et puis protection civile, vous ferez Marac mais l'État. Voilà. Marac mais animac mais voilà. Vous ferez l'État. Des communiqués de la Direction générale de la Police nationale et de la Direction générale de la Protection civile fixeront les conditions à remplir. Donc, bientôt, on va à la condition à faire un bel agent. Les pièces à fournir, les pièces à fournir, on va communiquer avec pour qu'on appelle l'agent. Malion, donc, on a mis que Guéléa est très bon là. On a mis le syndicat de l'Union fait. À toi, Youssouf Kouli Sissoko. Abna a ñe foyen gelam baka Youssouf ini atma wa eu ida kene era dra yere sa ba ba si ko tena voilà donc et toi Youssouf Kouli Sissoko et bi i chemino et abi trembolu ke n'est-ce pas ah oui et bouka syndicat du mena section syndicale unique UNTM le chemin de fer d'accord UNTM syndicat bi UNTM c'est ça. Oui, c'est à l'information et à la communication. Ah, d'accord. Pour Guéléa, tu m'en es bien au camp? Bon, on est sûr que Guéléa est en train de dire que c'est Baliaï. Sarah? Sarah. Mais quand on est en train de dire que c'est un peu de temps, c'est un peu de temps. Ah, bon, on sait que... Un raisonnement qu'on était, un petit peu à son coup, comme un peu à son coup, un petit peu au confort, parce qu'on comptait Barada Wati maintenant, comme c'est la Tafo Kalusana, Mado Kalouin Blas, Mado Kalou Sabamatra. Mais Barada maintenant, depuis le 9 juillet, on est dit que Terrain Mboula donne le badge à Terrain Bichéina.
Donc, il y a un bon côté. Donc, Barakela veut faire des fermes, bon, on va faire des fermes. Le Sénégal, d'abord, avec ses cafots, c'est cafot. Donc, c'est cafot, on s'est mené de la nouvelle UNTM. Nous, on est en train de faire des choses. Nous, on est en train de faire des choses. Syndicat national de transport pour Amboul la Sigri. Comme là, on s'est fait un bras de fer comme un état. Mais nous, on connaît ça là. On est en train de faire des choses. 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 On est en train de kalu kelen kelen kalu saba ka ca parce que kalu saba e bien tu sais ka kalu saba kono somaje tu sais ka kalu saba kono ne dara fana chuni ka pharmacie tu sais ka kalu saba kono kono tara ne kadi donc kalu saba de ici ora na sara wa ki mena wa so shimuno kono ni carnet de devolu ni sara kra de ba sara me ba di dra me ke nanu ti bulu so o don ne a fara war de dira ka ba parce que kalu saba du tri ni ma sara ka au re de jaten na la kalu saba du tri na te sara me nga la di ani jamana me jamana ngona so me na di kalu kelen kelen ani be sara tu sais ka dinda il n'a pas de cas surtout quand le soir était assez d'affaire. Lui aussi, il y a 5 ans, il n'a pas de cas d'affaire. D'accord. Oui. En plus, il y a aka mɔgɔ dɔ fana kun yera ni phobie ye u y'i tɛrɛn 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 phobie dɔw dilan an t'a dɔn a dilanna cogo min na mais a kɔni sɔrɔla a ka mɔgɔ dɔ bolo u minɛna u taara kaso la o ko bɛ cogo di. Bon, i b'a dɔn ko in komi ni fɛn sera tribunal la kaban. Sariyatigi de kan k'a fɔ sisan ko bɛ a ko k'a ka laban cogo min na parce que an tɛ se k'a fɔ u nɔ b'a la an tɛ se k'a fɔ u nɔ t'a la fana parce que ko bɛ sariya la bolo kan donc ni enquête ni fɛnw banna ni jugement kɛra ni min nɔ b'a la o bɛ fɔ ni min fana nɔ t'a la a bɛ fɔ mais minɛli kɛra cogo min na an bɛ se k'a fɔ a kɔni balila an na parce que Jean-Amérique mɔgɔ min anw fɛ yen nɔ n m'a fɔ a ma deli ka kɛ mais chemin de fer depuis anw nana an ma deli k'a ye. Parce que taabolo ji bɛ n'a taabolo dɔn enquête ni fɛnw bɛ kɛ n'a sera yɔrɔ ma a bɛ se fama ma mais Jean-Amérique ka t'o minɛ o cogo la donc fama kɔni se kɔni bɛ fama de ye anw ma sariya kalan kɛ peut-être a kan ka k'o cogo la de n'o y'a kɛ. Ok mais u kɔni hali bi u bɛ kaso la u bɛ u bila la. Non u bɛ yen u bɛ halisa u bɛ ka jugement kɔnɔ. D'accord. Donc, on a à court fin là, peut-être, on a une information supplémentaire sur l'autre. La justice avancera le dossier quand Donny. C'est ça, durant la table, on va dire. Durant la table, ça, comment, d'accord. Donc, Youssouf Koli, vraiment, ambi faux. Et puis, ambi d'où, ok, ça va quoi passer, on y en a pas de Dieu, quoi. Ah, oui, c'est vrai, rentrer, c'est d'accord. C'est ça, deux mois, t'as la dame de Bébéso. D'accord, d'accord, Inch'Allah. Youssouf Koli Sourinité. Merci. Alors, ni Youssouf Koli Sou, comme ils ont fait aller cheminer et trembler au dedans. Donc, ou à Salama Kakounia Kalo Savaye. Bientôt, Abna Kakalo Nani. Voilà. Donc, voilà. Encore, au Kibara de Koumambolo, Bika di Aouma. Fan Femka, ensuite YouTube sans fait. Ni Facebook sans fait. Amba Obela Jennifora. Ni TikTok, Mbé sans fait. Et puis, il faut le dire, RFM, quand désormais, on est sur la radio Futur Média, la 88.5. Mais quand on suit, quand l'information on suit, Ambi Obela Jennifora, Kato, qui reste connecté, au bout de l'information, on sort. Inch'Allah. Et puis, Burkinabé, il y a des chercheurs Burkinabé. Burkinabé, il y a des chercheurs de vaccins, paludisme vaccin, d'infidinouta. En émission future, là, Amna Koumaka. Merci beaucoup et au Cameroun.